Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft et aujourd'hui je suis avec Talcado, salut à toi. Salut. On est sur le plus petit serveur Minecraft du monde les amis, que j'ai moi-même fabriqué. Voilà, donc il est hébergé chez moi et tout, je vais tout vous présenter dans cette vidéo les amis. Comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes, une vue est égale à un like, c'est super important pour le développement de la chaîne les amis. Et pensez à vous abonner, je sors une vidéo par jour. D'ailleurs pensez aussi à lâcher, voilà, on va dire 2000 likes pour cette vidéo assez spéciale. Parce que voilà, vous allez voir, je vais vraiment prendre ma caméra et vous montrer mon setup avec comment j'ai fabriqué ce serveur et tout, vous allez voir. Alors aujourd'hui on va essayer de le faire crash en fait, parce que pour ceux qui connaissent pas sur la machine laquelle est hébergé sur ce serveur là, faut savoir que en vrai les serveurs Minecraft en général ils sont hébergés dans des grosses machines, dans des énormes data centers. Voilà, il y en a plein en France des data centers, et voilà. Et il faut savoir que on peut héberger son propre serveur sur son PC et tout, mais c'est un peu, voilà, et c'est un peu moins puissant. Et moi j'ai fait vraiment à l'extrême, parce que j'ai fait ça sur un tout petit PC, et voilà. Donc on va essayer de le faire crash. J'ai même réussi à installer World Edit. Regardez, on a notre hache en bois, on peut faire ça comme ça, on peut faire comme ça slash h7 1, et voilà. Et j'ai bien sûr invité Talcado pour qu'on puisse faire crash le serve. On va foutre des TNT partout, on va essayer de brûler ma baraque en faisant fumer ce Raspberry. Et re les amis, donc voilà, là je filme mon écran avec ma caméra et je vais faire une petite devinette tout simplement. Regardez, ça c'est mon setup, donc je vais vous demander, voilà, où est le serveur Minecraft ici. Alors là j'ai l'écran de mon serveur, voilà, j'ai l'écran de mon Raspberry. Là j'ai mon double screen, là j'ai mon PC, où est le serveur? Eh bien regardez les amis, mon serveur c'est ça, c'est ce qu'il y a là, donc j'ai allumé la lumière. C'est cette toute petite boîte qui fait vraiment la taille de ma main. Et ça c'est le serveur Minecraft sur lequel on est en train de jouer. Donc voilà, t'as le cadeau qui pose des panneaux, voilà, tout est normal. Et voilà, c'est avec ça qu'on fait. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un Raspberry Pi 3 modèle B. Donc là, tout ce qui est boîtier, ventilateur et tout ça c'est optionnel hein. C'est purement optionnel. On peut même faire juste avec la carte comme ça. Il faut savoir que ça fait pile la taille d'une carte classique, une carte bancaire et tout. Alors comment ça marche? Ce que j'ai fait c'est que, vous savez, sur les PC normaux, bah on peut avoir Linux, soit Linux, soit Windows pour tous les ordi, voilà, pour Microsoft et tout, ou soit Mac pour Apple. Et bien en fait ce que j'ai installé là-dedans c'est une version de Linux qui s'appelle Noobs, qui est elle-même, enfin j'ai installé Noobs, en fait c'est une sous-version de Raspbian qui est elle une sous-version de Linux. Voilà, c'est un peu complexe, mais voilà, j'ai installé ça. Puis après j'ai installé un serveur Minecraft un peu modifié, voilà, par des fans de Raspberry et tout, et un peu modifié, enfin il est un peu amélioré pour que ça soit compatible sur Raspberry tout simplement. Et donc voilà, ça c'est la console comme on connaît une console classique. On avait fait des tests, hello les amis, vous voyez, comme on a vu juste avant, bah j'ai fait slash hachette slash hcut, c'est une console normale. Et là il y a les fichiers classiques, donc OPS JSON, server properties, blablabla. Il y avait même un dossier plugin qu'on voit pas ici. Voilà, c'est vraiment un serveur classique, on est sur un mini PC en soi, et il m'a coûté 0€, mais en vrai il coûte une trentaine d'euros. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui on va essayer de faire fumer ça les gars. Et voilà les amis pour la rapide présentation. Alors il faut savoir que voilà, moi je suis quelqu'un qui, je suis passionné par l'univers de ce Raspberry et tout, c'est quelque chose qui me passionne, ces histoires de micro-ordinateurs et tout. J'aimerais trop vous faire un tuto pour vous montrer comment installer un PC dessus, ou même faire un serveur Minecraft. C'est très simple à faire, je vous mettrai même des liens dans la description pour vous faire vous-même votre serveur Minecraft sur Raspberry si vous voulez. Mais voilà, dites moi si vous voulez en commentaire, ou même voilà, likez pour me montrer que vous voulez d'autres, si vous voulez que je fasse des tutos dessus. Bref, maintenant les amis, on va passer à la partie marrante, c'est qu'on va essayer de faire fumer ce serveur et de le faire crash. Donc c'est parti Talca. Alors il va fumer. Hein. On va commencer par quoi? On va commencer par quoi là les gars? Donc on va commencer par qu'est-ce qu'on met? On va casser des blocs déjà avec de la TNT. En fait, je pense qu'on va faire que de la TNT hein. Franchement, ouais. Là les gars, on n'est pas là pour jouer les chochottes, on va prendre que de la TNT. Alors on en allume une en premier, ouais, ça peut être pas mal. Je vais prendre la torche Redstone. Boum. Alors vous voyez quand même un peu de latence hein, ça dépend. Donc ouais, voilà, il y a un peu de latence. On va mettre, allez, 5 TNT. 1 2 3 4 5. Hop. Il faut savoir qu'avant la vidéo, en faisant les tests, j'ai déjà réussi à le faire crash en chargeant beaucoup de chunks. Hein. Voilà, parce que c'est quand même un PC à 30€ quand même, ouais, hein, un Raspberry. Ça tient. Franchement, ça tient bien.
Alors, vas-y, là, on peut se faire plaisir, mec. Vas-y, moi, je te propose un truc. Ouais. C'est qu'après, il y a un temple là-bas. Ouais. Moi, je propose qu'on aille faire péter la TNT qui est au fond. Ah ouais, c'est vrai que au fond des temples, il y a de la TNT. Hop. Allez, hop, c'est parti. Allume. Oh putain, tout ce qu'on a mis, mec. Aïe. Ouais, en vrai, c'est pas beaucoup, mais le serveur s'y tient. En vrai, c'était déjà bien. Wow. Le peu de. Ça lag. Du peu de choses qu'il y a. Oh non, ça va. Hey, tiens, oh là, il y a les blocs, il y a quelques blocs qui sont un peu buggés. Ça a du mal, mais ça tient. Ok. Ah oh, franchement, ça va. Hein. Oh là, ça va. Ouais. Wow. Oh. Non, ça tient. Eh, ça tient. Y a de la latence. Franchement, il y a de la latence, mais ça tient. Mais ça tient. Vraiment. Tant qu'il crache pas, il faut savoir qu'il y a des serveurs Minecraft, on met, je sais pas, 10 fois plus de TNT, ça crache. Alors qu'ils sont 100 fois plus puissants, 200 fois plus puissants, quoi. Donc voilà. Vas-y, on va faire péter la TNT là-dedans, là. J'ai envie de faire exploser ce temple. À toi l'honneur, hein. À toi l'honneur, on casse là. Ouais, à toi l'honneur. Attends, regarde ce qu'il y a dans les coffres avant. Tac, ok, y a rien. Bon, c'est temple classique, j'ai envie de dire. Hein. Temple classique. Hop, vas-y, fais péter, frérot. Vas-y, mets de la TNT. Nickel, allez, on se sauve. On se sauve, tac. Waouh, il y a de la latence quand même. Vous savez quoi? Il y a de la latence, mais ça ferait pas. Eh, franchement, ça va. Hein. Eh, franchement, faut faire péter plus de TNT. Oh non, il pleut encore. Eh, c'est la Bretagne ou quoi là? Hop, bah, slash weather clear. Voilà, c'est la weather clear. Je peux aller à suite. Viens, on fait péter genre tout le temps, genre avec la TNT. Vas-y, on fait péter tout le temps. Tac. Alors, il faut savoir aussi, j'ai fait d'autres tests avec de la TNT juste avant et tout. Et on a mis plus de TNT encore. Et ça, c'était hyper fluide. C'était un peu plus fluide que la vidéo. Mais bon, ça, c'est parce que là, ma famille utilise la connexion et tout. Ah bah voilà, il a crash. Il a crash. Aïe. Oh merde, il a crash. Bon, écoutez, on va essayer de le redémarrer, les gars. Oh non, le seum, gros seum. Et re tout le monde, donc on a eu quelques petits problèmes au niveau du redémarrage du Raspberry et tout. Il manquait d'alimentation, le pauvre on lui prenait trop d'électricité. Donc voilà, là on avait fait le grand trou. Donc il a crash, pas en partie à cause de ça, mais quand même on a fait péter des blocs de sable aussi, hein. Il y a encore beaucoup d'items ici là. Voilà, on a encore vraiment pas mal. Je pense que c'est ça aussi qui fait un peu lag. Et là il y a eu un rollback, donc on n'a pas pu faire péter nos TNT, on les fera péter tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc on va s'éloigner, on va se mettre ici, et moi ce que j'avais envie de faire c'était qu'on se mette en game mode 0 pour que je vous prouve qu'on peut faire une survie tout à fait classique avec le Raspberry. Donc regardez, là il y a des animaux, on va pouvoir les taper. Hop, et vous allez voir, regardez, alors ça tout dépend de la connexion aussi, mais ça a l'air tout à fait fluide, vous voyez. Quand on tape, ça tape direct. Si je tape t'as le cadeau, ça fait quoi? Vas-y, on se barre. Ouais, mais je voyais pas, il y a des rollbacks. Ah ouais, voilà, bon, là ça. Je voyais pas. Ok. Là c'est bon, hop. Là c'est fluide. Là ça va, c'est plutôt fluide. Hop, vas-y, hop, je vais tomber, je vais tomber. Je vais bientôt mourir. Non, vas-y, on se tue pas, je vais bientôt mourir là. Mais voilà, on peut tout à fait faire une petite survie. On va essayer d'éclater du bois là. Et à la fin, vous allez voir, on va prendre World Edit et on va vraiment foutre 15 milliards de TNT pour essayer de faire crash le serveur. Voilà. Donc les bûches se drop directement. Je sais pas si chez toi ça fait la même chose. Non, ça fait pas la même chose. Hop, voilà. Toi, ça fait pas la même chose. Ça non. Met un peu de temps. Ça met combien non, de temps? Non, si, oui, ça drop directement. J'avais ah, ouais, ça drop. Ah, ok. Oui, oui, okay. Ça drop directement. Non, il n'y a pas. Contrôle, tac. Ok. Parce que si moi aussi, je suis en local, donc comme c'est hébergé chez moi, c'est un peu de la triche, tu vois. Parce que t'as le cadeau, il habite. Il habite loin de chez moi, donc. Genre quand on fait des parties près. Ouais, hop. Ouais, non, franchement, ça drop directement. C'est plutôt. C'est grave cool en vrai. Donc c'est plutôt sympa. On peut se faire des... En vrai j'ai trop envie de me faire un truc en mode je fais un gros truc custom avec plein de plugins. Enfin sans que ça crache bien sûr, j'optimise tout le truc à fond. C'est chaud. Il y a vraiment tellement de trucs à faire avec un Raspberry. Il n'y a pas que Minecraft, hein. Il y en a, ils font des robots connectés. Il y en a, ils font des alarmes, des détecteurs de fumée. Tu peux faire tellement... En fait tout ce que tu peux imaginer qui soit connecté, bah tu peux le faire avec un Raspberry en fait. C'est voilà, c'est avec ou avec un Arduino et tout pour les connaisseurs. Le mec il me tape. Voilà, bah donc oui. C'est plutôt cool. Attends, on va voir, il y a pas moyen de se... Oh, ok. C'est quoi? Je sais pas, de se crafter un bateau ou de faire un truc comme ça là, vas-y. Genre, si, regarde. Hop, voilà. Oh là. Ah bah il est mort. Aïe. Coup dur. Coup dur. J'ai oh là. Alors moi pour ceux qui viennent de voir là, j'ai mis quand même un peu de temps à crafter mon établi là. Tac. Tu peux traiter pas moi, hein. Ouais, je mets tac. Ça, il y a un rollback. Je me fais des petits outils. Est-ce qu'il y a assez? Ouais, je me suis fait un bateau, yes. Hop, voilà. Eh franchement, ça rend super bien. Hein. Je suis grave content. Pour un petit PC à 30 euros, ça vaut grave le coup. Donc les amis,
faut savoir un truc, c'est que voilà, je pense que vous, il y en a plein qui ont des petits serveurs Minecraft à 2€ par mois chez des hébergeurs et tout. Il faut savoir que les Raspberry, c'est une super alternative aussi, parce que vous le payez 30€, mais vous l'avez à vie, quoi. Et vous pouvez faire plein de trucs avec. Peut-être que dans 2 ans, vous pourrez plus jouer à Minecraft, vous avez plus envie, vous voulez faire d'autres choses avec votre Raspberry, bah vous pourrez totalement. Je te vois pas, tu me vois? Non, je te vois pas non plus. T'es au niveau du bat. Je suis au niveau de là où j'ai clamsé. Ah ouais, merde, TP toi, c'est qu'en fait on est pas au bon endroit. Hop, tac. Voilà. Tu me vois là? Ouais, je te vois. Tac. Ah ouais, c'est bon. Vas-y, mets-toi sur le bateau. Ouais, ça lague un peu plus là. C'est que tout, en fait toute ma famille utilise la connexion, donc c'est ça aussi un peu. Attends, je suis pas dedans. T'es pas dedans? Moi là, je te vois bon, dedans. Là, je suis dedans. Moi je te vois dedans. Bah, ça doit un peu plus laguer et tout. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, on s'amuse bien. Bah, maintenant, écoute, Talka, moi je te propose de faire le grand final. Hein. De faire le grand final slash game mode 1. Voilà. Hop. On va mettre. Alors, on va pas mettre Take World Edit. Oh, si on va mettre Take World Edit, on va pas se mettre au niveau du sable en fait. Parce que c'est ça qui fait le plus lag en fait. C'est le sable qui tombe et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au niveau d'ici. Voilà. On va se mettre. Oh là, ça met Oxymos Moved too quickly. Alors faut pas bouger beaucoup, sinon ça crache aussi. Tac, 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 voilà. Donc vous voyez, je fais. Hop, en plus, on dirait à moitié. Chargé. On dirait à moitié un monde amplifié, frérot. Hein. Hop. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Mais ouais, il faut savoir, quand j'ai fait des tests avec Jobo et tout, j'ai fait péter mais tellement de trucs et ça avait pas beaucoup lag. Donc voilà, là il y a beaucoup de rollback et tout, c'est un peu frustrant parce que j'aurais bien vous montrer quand il y avait une bonne co et tout. Mais là c'est vraiment au niveau de la co, hein. C'est vraiment au niveau de la connexion, c'est assez frustrant. Je vais me mettre ici, ça me paraît pas mal. Ici ça me paraît pas mal. Allez, on va se mettre là, on va faire, on va faire spawn plein de TNT pour le final et on va tout allumer pour voir si ça tient le coup, les gars. J'en pose aussi. Ouais, pose-en aussi. Alors, fais un gros cube. Beaucoup. Fais un gros cube, ouais. Un gros cube. Voilà. Tac, tac, tac. Ça va crash, hein. Je pense que ça va crash moi aussi, mais pour le coup, ça va être marrant. Du coup, c'est ta co qui tient pas, en fait. Je sais pas trop, en fait. Ouais, je pense. Parce que le calcul pour que les blocs se cassent et tout, c'est le Raspberry, c'est le processeur du Raspberry, c'est la RAM et tout. Il faut savoir que c'est un truc qui a 1 giga de RAM, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà. Moi là-dessus j'y connais pas grand chose. Tac. Tac tac tac. Un peu perdu. Ça serait déjà bien là. Là c'est déjà bien, frérot. Vas-y, on en remet encore. On en remet encore, frérot. Vas-y, c'est bon. On en remet encore. Tac, c'est le grand final. On est là pour faire péter le Raspberry. On est là pour foutre le feu chez moi. Hashtag je fous le feu à la maison d'Oxymos. Tu vois, ça va fumer chez toi, tu vois. Ça spam en commentaire, les gars. Ça fume chez la maison d'Oxymos. Ça fume dans la maison d'Oxymos. Non, hashtag ça fume chez Oxy. Hashtag ça brûle chez Oxy. Allez, on fait plein de jeux de mots comme ça dans les commentaires, les gars. Ça me ferait super plaisir. Hop, voilà. Et j'épingle le meilleur commentaire, les gars. Je super like le meilleur commentaire. Bon, je pense qu'on est bon là. Même pour un serveur Minecraft normal, il y aura des petits lags, hein, pour un serveur Minecraft normal. On a mis 200 TNT là? Ouais, je pense, hein. 100-200 TNT à peu près. Ouais, on peut calculer. Ouais, vas-y, fais péter, c'est parti. Hop là. Non mais partout, on met des lampes partout, mec. Vas-y. Oh mec, ça va pas tenir, Attention. Non, ça tient. Oh, sa mère. Mec, ça tient. Oh, propre. Mec, ça tient. Ça tient. Test. Oh, ça tient. Aïe, aïe, aïe. Oh, lourd. Mec, ça tient bien, hein. Franchement, lourd. Fluide même. Y'a rien dans la console. On est peut-être tombé sur un moment où ça. C'était assez fluide quand même. Aïe aïe aïe. Franchement. Eh, franchement, ça va de ouf, hein. Et le processeur il chauffe pas trop. Attendez, j'ouvre le Raspberry et je mets mon doigt sur le processeur. Ah si, il est chaud quand même, hein. Il est chaud. Ah ouais. En fait, j'ai pas activé le ventilateur. Attendez, je vais juste. Musique et son, je vais baisser le volume parce que ça fait mal aux oreilles. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et ça explose toujours. Le Raspberry tient toujours. Alors les gars, maintenant je pense qu'on va faire. Vraiment, on va prendre. Alors ça explose toujours World ou pas Edit. Ah, ça finit. Ouais. Eh, franchement, World Edit. Eh, franchement, World Edit. Attends, on fait ultra. Enfin, genre 46. Ultra, genre là. 46, hop, c'est parti. Je vais vous dire combien on va mettre de TNT. Voilà. Attention. Slash slash 7, 46. Hop. Voilà, World Edit sur un serveur à 30€, 10 000 TNT qu'on va faire exploser sur un serveur à 30€, les gars.
Allume frérot. Aïe. Oh là, je sens que ça va crash là. Oh, alors attends, vas-y, hop. Moi aussi, je vois même pas. Oh là là. Je crois qu'on... Mec, même en posant la TNT, je crois qu'on a fait crash. Oh non, je te vois y bouger. Ouais, mais moi aussi je te vois bouger là. Attends, mais ça s'allume même plus. Alors attends. Attends, au sol. Mais toi au sol. Ah, c'est bon. C'est au sol. Même en haut, je crois que ça a fait des trucs. Non, t'as le cadeau Asmod The Advancement Stone Age. Oh putain. Oh sa mère. Eh mec, on en aura jamais fini. Hein. On en aura jamais fini. Ça va durer genre 3. Aïe. Lourd. Vas-y, c'est bon, tu peux arrêter, je pense. Oh lourd. Le Raspberry tient de ouf. En fait, c'est juste, je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion au début et tout. C'est pour ça le truc a crash. Dalim, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai changé les prises dans la multiprise. C'était peut-être ça. C'est vraiment un travail de bidouilleur. Hein. Là, c'est un peu de mal. Aïe. Et franchement, on va pouvoir faire des trucs de ouf avec ça. Ah, je suis trop content. Ah ouais. Bon, bah là, plus qu'à attendre que ça finisse de péter. Non, mais en fait, en haut, ça se casse pas. Okay. Ouais, c'est petit à petit. Mais je pense que là, dans 10 minutes, ça continuera de péter. Il faut savoir que j'ai déjà fait cette expérience avec Captain Kirk il y a très longtemps. C'est une vidéo que j'ai jamais sortie sur ma chaîne, mais j'avais tourné une vidéo avec Captain où j'explosais un immeuble de GTA il s'est éteint. Avec 25 000 TNT, voilà. Et du coup, ça avait fait exactement le même rendu. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, il a crash avec 10 000 TNT. Franchement, voilà. Ça va mettre un timeout et voilà. Donc, on a réussi à faire crash un serveur. Bon, voilà, je pense que. Voilà, connexion perdue chez moi. Et re tout le monde, donc voilà, on a rallumé le Raspberry. Il avait encore crash. On peut voir que quand même ça a ses limites. Mais bon, on a fait quand même péter 10 000 TNT hein, pour que ça crash. Ouais. Donc. C'était un peu beaucoup quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, ce genre de vidéo, c'était pas prévu à la base, mais ça fait. J'adore tellement les Raspberry. Enfin, je suis passionné. Ça m'intrigue tellement ce truc. Tu peux faire tout avec tout ce qui est imaginable. Tu peux le faire avec ce Raspberry. Donc voilà, j'avais envie de tester de faire un serveur Minecraft comme je joue énormément à Minecraft. Dites-moi si vous voulez des tutos pour savoir comment on installe un PC sur ce truc ou même comment on installe un serveur Minecraft ou voilà comment on ajoute des plugins sur ce serve. J'aimerais l'optimiser et faire un vrai truc avec ce serve. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, c'est le plus important. Et pensez à vous abonner à la chaîne de Talcado qui sera dans la description. Merci, et bien merci, sûr pensez à vous abonner à ma chaîne. T'as vu, si j'ai ralenti à la fin, c'est parce que j'y ai pensé, j'allais t'oublier frérot. Oui, allez vous abonner à la chaîne du frérot et nous on vous dit, c'était Oximos et Talcado pour vous servir. Allez, je t'en.